Cette fois, c'est en France que des pigeons parfaitement adaptés à la vie en ville sont menacés. Pourtant, les hommes les nourrissent. Ils ont leurs habitudes, mais ils n'en sont pas moins vulnérables. Ici, dans la ville d'Albi, les pigeons viennent se baigner dans la rivière. Ils lissent leurs plumes de vol, se débarrassent de la saleté urbaine et se rafraîchissent. Cet énorme poisson qui a surgi furtivement, mais qui reste à couvert, est un prédateur dangereux. Et les oiseaux, soudain, sont en danger de mort. Le calme du pigeon est aussi sa faiblesse. Les pigeons n'ont pas peur du danger. Lorsqu'ils se baignent, l'huile de leur plumage dérive en aval du courant et trahit leur présence. Ce monstre la détecte alors immédiatement. Le silure est un poisson géant, introduit dans ses eaux il y a tout juste 40 ans. Il prolifère dans les rivières de France, décime les stocks de poissons et ont développé un goût certain pour les pigeons. Comme ils voient très mal, ils se servent de leurs barbillons pour détecter le mouvement de leur proie. Cette nouvelle tactique de chasse est surprenante pour ces silures, qui chassent d'ordinaire au fond de l'eau. Après des milliers d'années d'une existence paisible, les pigeons de cette région du Tarn doivent désormais se méfier des poissons.